soupirons après le Seigneur. Soupirons après le Seigneur. Encore cette journée. Tu es notre secours. Tu es le Dieu de miséricorde. Pourquoi t'as-tu mon âme? Jésus.
Convaincre mon âme que tu es Échardin.
veux entrer sur ta gloire. Je veux contempler tes œuvres. Je veux contempler tes œuvres. Je veux convaincre mon âme. Je veux convaincre mon âme que tu es El Shaddai. Je veux compter sur ta grâce. Je veux entrer sur ta gloire. Je veux contempler tes merveilles. Je veux contempler. Tu peux visiter quelqu'un, tu peux visiter quelqu'un qui est dans sa maison. Tu peux relever le faible, je sais que tu peux me guérir. Tu peux rétablir mon cœur brisé. Consoler mon âme. Consoler mon âme. Je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre mon âme que tu es El Shaddai. Je veux lever le bâton des souvenirs et me souvenir de tout ce que tu es pour moi. Tout ce que tu as fait pour moi. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre mon âme que tu es El Shaddai. Tu peux rétablir le sac de revenir dans le maillot comme un nouveau espoir. Je sais, je sais, je sais que tu peux. Tu peux Seigneur, toi tu peux. Jésus tu peux, toi tu peux. Toi tu peux. Toi tu peux.
mains. Toi tu peux, Jésus. Toi tu peux. Toi tu peux, Seigneur. Toi tu peux. Tu peux, Jésus. Toi, tu peux, Seigneur. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Toi, tu peux, Jésus. Toi, tu peux, mon roi. Seigneur, nous t'adorons, nous t'élévons, nous t'exaltons, nous te célébrons ce soir. Merci parce que tu peux toutes choses. Ce soir, nous sommes là dans ta présence pour te contempler, pour te dire que nul n'est semblable à toi, pour te dire que toi seul mérite l'honneur, toi seul mérite la gloire, toi seul mérite l'exaltation, toi seul mérite d'être élevé, toi seul mérite d'être acclamé ce soir. Oui, ce soir, nous acclamons ta grandeur. Ce soir, nous acclamons ta miséricorde. Ce soir, nous acclamons ton amour pour nous. Ce soir, nous acclamons ta magnificence. Jésus, nous acclamons. Nous acclamons. Nous acclamons ton nom. Nous acclamons ton nom. Nous acclamons ton nom. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu élevé au-dessus de toutes choses, quelles que soient les situations, quelles que soient les montagnes, quels que soient les géants, quels que soient les Goliaths, quelles que soient les maladies, quelle que soit l'atmosphère, notre Dieu qui s'appelle Jésus est au-dessus de toutes choses. Et ce soir, nous sommes dans sa présence pour proclamer, pour déclarer, pour annoncer qu'il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de ce qui effraie les humains. Il est au-dessus de ce qui fait fléchir les nations. Il est au-dessus. Jésus est au-dessus. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alors toute la nature confesse que Jésus est Seigneur. Les maladies confessent que Jésus est Seigneur. Les pandémies confessent que Jésus est Seigneur. Les dominations, les autorités, les principautés confessent que Jésus est Seigneur. Oui, tu es Seigneur et tu peux toutes choses. C'est pourquoi ce soir, nous proclamons ta magnificence. Nous exaltons ton Saint-Nom. Le nom élevé au-dessus de tout nom. Le nom élevé dans les cieux. Le nom élevé. Le nom le plus élevé. Le nom le plus grand. Le nom le plus puissant. Le nom le plus fort. Le nom le plus magnifique. Le nom le plus saint. Devant ce nom, les vieillards et les anges se prosternent. Devant ce nom, toute la création se prosterne devant toi. Les montagnes se prosternent. Les planètes se prosternent. Les étoiles se prosternent. Tout ce qui vit et tout ce qui respire se prosterne devant Jésus. Et nous aussi ce soir, nous venons nous humilier, nous venons nous prosterner pour dire que nul n'est semblable à toi et que tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'élévation, à toi l'exaltation, à toi la célébration. Nous te bénissons, nous te magnifions, nous te glorifions, nous t'élévons Jésus, nous te bénissons Jésus. Merci pour ta présence, merci d'avoir donné ce nom. Tu nous as donné ce nom et en ce nom nous avons la vie, en ce nom nous avons la paix, en ce nom nous avons la victoire, en ce nom nous avons la délivrance, en ce nom nous avons l'assurance et la quiétude. En ton nom nous possédons toutes choses. C'est pourquoi nous sommes heureux d'être là dans cette présence en train de glorifier ce nom. Alléluia. Célébration à toi, adoration à toi, honneur à toi, maintenant et à jamais. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu peux encore acclamer le Seigneur des Seigneurs. Tu peux acclamer le Roi des Rois. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence.
Merci Seigneur pour ce deuxième jour de jeûne. Nous te rendons grâce pour ta présence qui est déjà répandue, Seigneur Dieu, sur nos vies. Et nous croyons que par ces instants de prière, ta gloire et ta puissance vont être relâchées dans l'atmosphère de nos yeux. Nous allons voir des miracles et des prodiges parce que tu es le Dieu qui peut toutes choses. À toi la louange, à toi l'élévation et à toi l'exaltation au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Soyez les bienvenus à cette deuxième soirée de notre jeûne et prière. Et le thème qui nous conduit, c'est la miséricorde de Dieu. Dis avec moi, la miséricorde de Dieu. Dis bien avec moi, la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Et notre texte de base, c'est le psaume 136. Nous allons le proclamer. Tu vas le déclarer après moi. Psaume 136, du verset 1 jusqu'au verset 7. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait des grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Et le verset 7, celui qui a fait de grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Amen. Car la miséricorde de notre Dieu dure à toujours. Et hier, donc le dirigeant s'est appuyé sur les versets 1, 2 et 3 pour conduire vraiment un temps de prière. Et ce soir, nous voulons nous appuyer sur les versets 4, 5 et 6 et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur et nous croyons que notre Dieu va accomplir des choses extraordinaires parce que sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde n'a pas de limite. Sa miséricorde n'a pas de fin. La Bible dit que notre Dieu est riche en bonté et en miséricorde. Alors pendant que nous allons prier, la richesse de notre Dieu, la miséricorde de notre Dieu va être répandue dans l'atmosphère et les malédictions, les jugements qui abondaient vont être suspendus parce que la grâce de Dieu va être surabondée dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le verset 4 dit, celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Notre Dieu fait de grands prodiges parce que sa miséricorde n'a pas de fin. Alors c'est pourquoi nous allons déclarer que Seigneur, parce que tu es miséricordieux, tu accomplis de grands prodiges sur la terre. Tu accomplis de grands prodiges. Tu répands sur toute la terre. Tu répands dans l'atmosphère de grands prodiges. Le verset ne dit pas de prodiges, il dit de grands prodiges. Parce que notre Dieu est miséricordieux, il accomplit de grands prodiges. Alors tu vas t'élever de là où tu te trouves en ce moment, parce que l'onction de Dieu est sur toi, parce que l'Esprit de Dieu est sur toi, parce que la puissance de Dieu est sur toi, parce que l'onction prophétique de Dieu est sur toi. Tu vas te tenir avec moi de là où tu te tiens et nous allons déclarer que les prodiges de Dieu remplissent la terre dans le nom de Jésus. Prie ensemble le Seigneur. Prie ensemble le Seigneur. Seigneur, tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Parce que tu es miséricordieux, tu accomplis de grands prodiges sur la terre. Nous nous attendons à tes prodiges. Nous nous attendons à tes prodiges sur la terre. Nous nous attendons à tes prodiges sur les nations. Nous nous attendons à tes prodiges sur les nations africaines, sur les nations américaines, sur les nations européennes, partout sur la terre. Nous nous attendons à tes prodiges. La Bible dit que tu es celui qui accomplit de grands prodiges. Père, par ton bras puissant, accomplis de grands prodiges sur les nations, dans le nom de Jésus. Accomplis de grands prodiges sur les pays, dans le nom de Jésus. Des prodiges divins, des prodiges glorieux, des prodiges puissants, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que de nos yeux, nous voyons les prodiges que tu accomplis sur la terre, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Braille Gloria de la Brada Sotarabababa. Annonce, annonce, annonce par l'esprit de la prophétie, annonce par la puissance de la prière que les prodiges de Dieu se manifestent sur toute la terre. Dans le nom de Jésus, il est celui qui accomplit de grands prodiges, pas seulement de prodiges, mais de grands prodiges, parce qu'il est le Dieu grand.
et parce qu'il peut toutes choses. Seigneur, merci parce que tu accomplis de grands prodiges par ta miséricorde dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Braille et gloria da la brada sota rababo sharabababa. Braille et gloria da la brada sota la brada kunda la bababo. Braille et gloria da la brada. Parce que tu peux toutes choses, tu accomplis des choses extraordinaires dans le nom de Jésus. Car nous soupirons après toi. La terre soupire après toi. C'est de toi que nous avons besoin. Au-delà, Seigneur Dieu des médecins, au-delà des chefs d'État, au-delà des institutions qui sont sur place, c'est de toi que nous avons besoin. Et nous avons besoin de ton intervention surnaturelle. Nous avons besoin de ton intervention puissante. Alors étends ta main par ta miséricorde et accomplis des prodiges sur la terre. Accomplis des prodiges dans le nom de Jésus. Nous nous rappelons des nations qui sont plus, qui ont été plus touchées par ce Covid-19. Et nous invoquons des prodiges dans le nom de Jésus. Nous appelons des prodiges sur la Côte d'Ivoire. Nous appelons des prodiges sur l'Italie. Nous appelons des prodiges sur la France. Nous appelons des prodiges sur le Ghana. Nous appelons des prodiges sur les États-Unis. Nous appelons des prodiges, Jésus. Nous appelons des prodiges. Père, envoie tes prodiges. Envoie tes prodiges à cause de ta miséricorde. Et accomplis des choses extraordinaires en faveur des nations dans le nom de Jésus. Parce que nous crions en toi. Parce que les élus crient à toi. Parce que nous humilions dans ta présence. Nous appelons ta miséricorde, Seigneur. Et nous prophétisons qu'il y a des prodiges dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est ce que tu es. Tu fais. Yeah. Au Père des miracles, tu fais un chemin, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu fais. Tu fais un chemin, peux proclamer ce chant avec nous. Tu fais un chemin, au Père des miracles, tu fais un chemin, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu fais. Tu fais un chemin, tu fais un chemin. Nous le déclarons avec assurance, tu fais un chemin. Tu fais un chemin, au Père des miracles. Tu n'as pour que l'Est à l'Ouest. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, déclare-le par la foi. Tu fais un chemin, au Père des miracles. Tu opères des miracles, tu fais marcher les pauvres. Tu relèves le pauvre, tu fais un chemin. C'est ce que tu fais. Tu parles et la série, l'enfant de cette voix, c'est ce que. C'est ce que tu es. Tu parles et les morts sortent du tombeau, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu retires le pauvre du fumier, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu changes nos rayons en vêtements de paix, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu donnes de l'assurance à celui qui était tombé, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu restaures les nations, tu guéris les nations, c'est ce que. C'est ce que tu es. Tu t'appelles Shaddai, Elohim, Medjibor, le pouvoir. C'est ce que tu es. Ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Seigneur, merci parce que tu as accompli des prodiges et des miracles. Nous élevons ta grandeur. Merci pour ces miracles. Merci pour ces prodiges. Merci, Seigneur Dieu, pour tous ces bienfaits que tu apportes aux nations. Parce que nous humilions dans ta présence.
À toi la gloire, l'honneur, la louange, l'exaltation, l'élévation. Alléluia. Et tu vas encore élever la voix et tu vas prier. Tu vas prier, tu vas proclamer la guérison des malades, de tous ceux qui ont été touchés par cette pandémie appelée COVID-19, mais que notre pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, a baptisé VID-19. Vide, parce que nous l'avons dépouillé de sa substance. Alléluia. Nous l'avons dépouillé de son pouvoir. Nous l'avons dépouillé de sa puissance. Alors, c'est pourquoi de là où tu es dans la présence glorieuse de Jésus. Là où tu es, le Seigneur est avec toi. Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. L'onction de Dieu est sur toi. Alors, c'est pourquoi tu vas élever encore la voix et tu vas proclamer maintenant la guérison de tous ceux-là qui ont été touchés par cette pandémie. Tu vas proclamer la guérison. Tu vas invoquer la santé divine dans les vies, la santé prodigieuse, l'intervention prodigieuse de Dieu dans le nom de Jésus. Élevons ensemble la voix. Prions le Seigneur. Braille de gloria dada brada sota rababa. Prie le Seigneur. Braille de gloria dada brada kora baba baba baba. Chante la brada sota la brada ke. Braille de gloria dada brada kora bayanta brada sota la brada gloria dada brada sota la baba baba. Gloria dada brada sota la brada gloria dada brada. Oh baba baba baba. Chante la brada gloria dada brada sota la brada kora baba baba. Gloria dada brada sota la brada kora baba baba. Chante la brada gloria dada brada sota libre de kora bayanta brada. Reka baba baba baba. Gloria dada brada sota libre. Randa braide rabababa shata la brada sota la brada kura babababa. Père, nous invoquons ton intervention. Nous invoquons la guérison qui vient de toi. Cette guérison prodigieuse dans la vie de tous ceux-là qui ont été touchés par cette pandémie. Seigneur, visite les malades au nom de Jésus. Parce que tu es miséricordieux et que ta miséricorde n'a pas de fin. Tu interviens dans la vie de tous ceux-là qui ont été touchés, de tous ceux qui ont été frappés par ce mal. Nous invoquons la guérison qui vient de toi. La Bible dit, par des blessures, nous avons été guéris. Par tes blessures, nous avons été guéris parce que tu as payé le prix à la croix. Nous invoquons la santé, nous invoquons la guérison dans la vie de tous ceux qui ont été frappés, dans la vie de tous ceux qui ont été touchés par ce mal, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons prophétiser la santé qui vient de toi. Nous voulons annoncer la guérison qui vient de toi dans la vie de tous ceux qui ont été touchés dans le nom de Jésus. Ta grâce entre dans les familles. Ta grâce entre dans les hôpitaux et là où les hôpitaux sont couchés, là où les malades sont couchés, là où les gens sont malades, dans les maisons, dans les hôpitaux, où les gens sont malades, où les gens sont livrés à eux-mêmes, Seigneur, où les gens souffrent dans les corps. Nous appelons la santé, nous appelons la guérison, nous appelons la vie de Dieu, la vie Zoé, la puissance capable de restaurer, la puissance capable de relever, la puissance capable de renouveler. Dans le nom de Jésus, par ta miséricorde, tu relâches la santé, tu relâches la guérison, tu relâches la guérison dans l'atmosphère. Dans le nom de Jésus, 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 tu apportes la guérison, Jésus, tu apportes la vie, Jésus, tu apportes la vie, et cet esprit de mort est expulsé de corps, dans le nom de Jésus, ce mal est expulsé de corps, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, ce mal est expulsé, et les malades sont guéris de manière miraculeuse, de manière prodigieuse, dans le nom puissant de Jésus, parce que tu interviens par ta puissance, parce que tu interviens par ton bras d'amour, parce que tu interviens par ta miséricorde. Tu dis que ta miséricorde n'a pas de limite, ta miséricorde n'a pas de fin. Tu es riche en miséricorde, tu repends ta richesse dans le nom de Jésus et tu relèves les faibles, tu restaures les malades, tu restaures Jésus, tu restaures Jésus, tu agis Jésus, tu agis et tu restaures Jésus, tu guéris Jésus, tu relèves Jésus. Dans le nom de Jésus, les jours qui arrivent, nous attendons de bonnes nouvelles parce que ta main puissante opère, ta main puissante agit déjà, ta main puissante a commencé à agir déjà. Mais nous voyons, Seigneur, de cette puissance qui va s'accélérer dans la vie des malades. Dans le nom de Jésus, 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 tu apportes la guérison. Tu apportes la santé divine, tu apportes la victoire, tu apportes la restauration, tu apportes la restauration.
dans le nom de Jésus. Et toi-même qui es en train de prier en ce moment, si tu es malade, si tu as des connaissances qui sont malades, si tu as les membres de ta famille qui sont malades, crois en cette puissance, car à cause de la miséricorde de Dieu, la vie de Dieu est relâchée maintenant dans l'atmosphère. Elle est relâchée dans ta maison, elle est relâchée dans les hôpitaux, elle est relâchée sur les nations, dans le nom de Jésus. Et les malades se relèvent de manière miraculeuse. Les malades sont guéris de manière miraculeuse, de manière prodigieuse, dans le nom de Jésus. Car notre Dieu est puissant et il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Et il regarde le sacrifice de son fils Jésus à la croix. Il regarde l'agonie de son fils Jésus à la croix. Il regarde le sang qui a coulé à la croix. Les sept effusions du sang de Jésus. Le Père voit les sept effusions et il relâche sa miséricorde. Accompagné de la guérison. Accompagné de la guérison. Accompagné de la guérison. Accompagné de la délivrance. Accompagné de la santé divine. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Braille Roma, il est canta la brada sota la brada kirabashata la brosa la la baba baïka. Braille gloria da la brada korabayata ribasha la baba baba. Ronda brada sota la brada kinelebre de so baba. Et cette présence que tu ressens en ce moment est cette présence-là qui remplit les hôpitaux, qui remplit les malades. Parce que je suis convaincu dans mon cœur que si tu es connecté, tu vas sentir que Dieu est là. Par la foi, ça veut dire que tu n'as pas besoin de sentir forcément d'avoir des émotions. Mais ton Dieu est là et ton esprit le saisit. Ton esprit le sent, ton esprit est connecté. Et tu vois que Dieu est là, il agit par sa miséricorde. Il agit par son amour, il agit parce que des hommes se sont mis à part, parce que des élus se sont mis à part. La grâce de Dieu est relâchée, la puissance de Dieu est relâchée. Elle est relâchée dans les nations, elle est relâchée, elle est relâchée, elle est relâchée. Elle est plus puissante que le vent qui souffle. Elle entre dans les maisons, elle entre dans les hôpitaux, elle entre partout. Elle guérit les malades, dans le nom de Dieu, elle guérit les malades. Elle guérit, elle guérit, elle ramène à la vie les morts. Elle ramène à la vie, elle apporte la résurrection des membres, la résurrection de certaines choses qui ne fonctionnent plus dans la vie des personnes. La puissance de Dieu ramène, la puissance de Dieu apporte la résurrection, car notre Dieu est celui qui produit la résurrection. Notre Dieu est celui qui engendre la résurrection. Il envoie la résurrection comme une semence puissante et capable de restaurer ce qui est mort, tout ce qui est mort. Parce que toi Jésus, tu as triomphé de la mort, tu as triomphé de la mort, tu as triomphé de la mort, tu es puissant. Et nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour les guérisons. Alléluia. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Dans le nom de Jésus. Nous voulons contempler la puissance de notre Dieu. C'est ce que tu es, Seigneur. C'est ce que tu es. 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 Alléluia, c'est ce que notre Dieu est. Tu vas encore déclarer et nous allons prier. C'est vrai que nous avons prié pour la guérison des malades, mais nous voulons déclarer, proclamer, prophétiser que cette pandémie, que ce mal-là disparaisse totalement sur toute la terre. Que ce mal disparaisse, que cette maladie disparaisse.
par le bras puissant de notre Seigneur. Que cette maladie disparaisse totalement par le bras puissant de notre Dieu. Alléluia. Tu es toujours dans la présence de Dieu, la présence glorieuse du Seigneur. Jésus est avec toi. Tu es caché en lui. Et lorsque tu pries, c'est la voix du Fils que le Père entend. C'est la voix de Jésus que le Père entend. Mais toi, tu es caché en lui et tu parles. Alléluia. Alors tu vas t'élever encore et tu vas prier avec moi. Tu vas parler avec moi. Tu vas prophétiser, proclamer que l'atmosphère soit libérée de ce mal et de cette maladie dans le nom de Jésus. Prie ensemble le Seigneur. Braille de gloria dada brada koraba shanda la bababa. Robo do robo sota la brada gloria dada brada sokari brada kende le brede sota la ba. Roba baba baba gloria dada brada sota libre de kori brada. Invoque la puissance de Dieu dans l'atmosphère. La puissance de Dieu. La puissance prodigieuse. La puissance dans l'atmosphère. Que l'atmosphère soit assainie. Et que ce mal-là soit expulsé. Que cette maladie soit expulsée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Braille de gloria dada brada sota rababa. Sharabada gloria dada brada kurababa babos. Braille de gloria dada brada surubada dada brada kurababa baba. Rubababa babos santalababa. Mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ta puissance? Maladie, où est ton pouvoir? Maladie, où est ta puissance? Tu as été vaincu à la croix, vaincu par le sacrifice de Jésus à la croix. C'est pourquoi dans le nom de Jésus, tu retournes de là où tu es venu, dans le nom puissant de Jésus. Tu libères les nations, tu libères l'atmosphère des pays, tu libères l'atmosphère des continents, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Prophétise et proclame au nom de Jésus. Chasse cette maladie, chasse-la au nom de Jésus, par le pouvoir de Jésus. Par le pouvoir de Jésus, par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Chasse ce mal dans le nom de Jésus. Chasse-la dans ta maison. Chasse cette maladie dans ta maison. Chasse-la sur les nations dans le nom de Jésus. Braille de gloria dada dada sota la baïque. Braille de gloria dada dada kura baba baba. Sharabada gloria dada dada sota libre de kura baba baba. Braille de gloria dada dada sota libre de kura baba baba. Nikarabra da yita la dada sota libre de sata baba. Dans le nom de Jésus, cette maladie disparaît, elle disparaît par la puissance de ta main. Dans le nom de Jésus, parce que tu es miséricordieux, parce que tu es puissant. Oh notre Seigneur, notre Roi, Jésus de Nazareth, par ton sang coulé à la croix, cette maladie libère les nations, libère les nations, libère l'atmosphère au nom de Jésus. Et ce mal retourne dans les abîmes, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Maladie, 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 plusieurs maux qui sont engendrés par ce vide du 19, dans le nom de Jésus, nous vous condamnons. Dans le nom de Jésus, et nous vous ordonnons de retourner dans les lieux arides, de retourner dans les abîmes, au nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus, toi qui étouffes, toi qui étouffes, toi qui paralyses la respiration, toi qui engendres de vives douleurs, toi qui engendres de vives courbatures dans les corps, dans le nom puissant de Jésus, tu es renvoyé dans les abîmes. Dans le nom de Jésus, tu es renvoyé au nom de Jésus. Nous te renvoyons dans les abîmes, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit ton origine, quel que soit ton pouvoir, quelle que soit ta puissance, le nom de Jésus est plus puissant que toi. Le pouvoir de Jésus est plus puissant que toi. C'est pourquoi par le pouvoir qui est dans le nom de Jésus, tu retournes dans les abîmes. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom
de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les démons sont vaincus, au nom de Jésus, ce vide est vaincu, au nom de Jésus, 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 la croix fait libérer, au nom de Jésus, les vies sont sauvées, au nom de Jésus, nous sommes délivrés. Au nom de Jésus, nous sommes libérés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, la santé est accessible. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, la liberté, la paix, la joie, le bonheur sont accessibles par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Et c'est bonne chose qui vient de notre Dieu. Abonde et surabonde sur les nations. Dans le nom de Jésus, la paix de Dieu surabonde. La paix de Dieu surabonde. La joie de Dieu surabonde. La santé de Dieu surabonde. Dans les maisons, au nom de Jésus. Sur les nations, dans le nom de Jésus. Car la Bible dit que là où le péché a abondé, car là où les ténèbres ont abondé, que là où le mal a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Et la miséricorde de Dieu, qui est la grâce qui précède les agissements, qui précède la puissance, les actions de Dieu, abonde et surabonde sur les nations. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Au nom de Jésus, c'est le nom qui délivre. Au nom de Jésus, c'est le nom qui rachète. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous sommes affranchis. Au nom de Jésus, nous sommes libérés. Au nom de Jésus, nous sommes délivrés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les nations sont libérées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 sois consolé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois délivré, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, invoque ce nom, appelle ce nom, au nom de Jésus, invoque ce nom, appelle ce nom, au nom de Jésus, invoque ce nom. Le nom de Jésus sur les nations. Le nom de Jésus sur les pays. Le nom de Jésus dans les familles. Le nom de Jésus dans ta vie. Le nom de Jésus dans ton assemblée. Le nom de Jésus dans ce confinement. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Nous appelons, nous appelons. Au nom de Jésus, nous appelons. Nous invoquons, nous invoquons, au nom de Jésus, nous appelons, nous appelons, au nom de Jésus, nous appelons, nous appelons, au nom de Jésus, nous appelons, nous appelons, Jésus, nous appelons, nous appelons, oh, nous appelons, nous appelons, Jésus, 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 Jésus. C'est juste ici que l'être, mais qui contient la puissance du salut, la puissance de la victoire, la puissance de la délivrance. Jésus, 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 Jésus,
Brada Gloria Sotana Sotana Bashaka Baba Ropa Tarada Yakete Sotana Baba Gloria Dada Brada Sotana Brada Gora Bashaka Baba Yete Lebre de Sotana Baba 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 Gloria Baba. Tu as dit de confiance en Jésus. Nous pouvons compter sur toi, Seigneur, parce que tu es miséricordieux. Et nous croyons au salut des nations. Nous croyons à la guérison des nations. Nous croyons à la délivrance des nations. Pas par nos efforts, pas par notre propre justice, mais par ton sacrifice à la croix. C'est pourquoi nous le croyons, Seigneur Jésus. Nous le croyons, Seigneur. Nous le croyons, Jésus. Nous le croyons, Jésus. Nous le croyons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est celui qui délivre tous ceux qui sont tombés sous cette emprise. Il est celui qui libère. Il est celui qui brise les chaînes. Il est celui qui brise les liens. Il est celui qui a franchi les vies. Il est celui qui brise les chaînes. Il est celui qui brise les chaînes. Il est celui qui brise les chaînes. Tu es celui qui brise les chaînes. Et tu es celui qui relève les indigents. Qui relève les pauvres. Qui le rêve les pauvres. Qui relève. Seigneur, les hommes ont besoin de toi. Les hommes ont besoin de toi. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Seigneur, prends pitié à cause de ta miséricorde. Et viens délivrer les hommes. Viens délivrer les pays. Viens délivrer, Seigneur Dieu, les nations. Que les orgueilleux soient rabaissés, ô Jésus. Mais parce que nous nous humilions devant toi, répands ta miséricorde, Seigneur. Accompagné de la puissance qui accomplit des prodiges dans l'atmosphère, dans le nom de Jésus. Prends pitié à cause de ton Fils Jésus et à cause de l'Église qui crie à toi. Fais grâce, Seigneur Dieu, au pays. Fais grâce aux nations. Fais grâce aux hommes. Fais grâce. Regarde combien de fois nous sommes limités. Regarde combien de fois nous sommes faibles. Nous essayons de nous confier dans des choses, Seigneur Jésus, mais qui n'apporte pas des solutions efficaces parce que nous sommes limités, parce que nous sommes limités, parce que nous sommes limités. Seigneur, nous ne sommes pas puissants, nous ne sommes pas forts. C'est toi qui es fort, c'est toi qui es puissant. Alors Seigneur, envoie ta guérison, envoie la délivrance, envoie les nations. Aie pitié et envoie les nations, envoie la grâce sur les nations, envoie ta paix sur les nations, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant? Amen. Alors nous venons de parcourir notre verset du psaume 136, donc le verset 4. On va attaquer le verset 5. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Et le verset 5 dit, « Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. » Notre Dieu est intelligent. Amen. Alléluia. Notre Dieu est intelligent. Il est intelligent. Il est l'intelligence. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur. Ton intelligence n'a pas de limite. Dis, Seigneur, l'intelligence est à toi. La connaissance est à toi. La révélation est à toi. Seigneur, tu es plus qu'intelligent. Tu es plus que fort. Seigneur, tu es élevé au-dessus de toute sagesse, au-dessus de toute intelligence. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre quelques minutes pour contempler, élever notre Seigneur comme le Dieu de l'intelligence, le Dieu au-dessus de toute intelligence? Est-ce que tu peux élever le Seigneur? Est-ce que tu peux le contempler? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux l'élever? Est-ce que tu peux l'élever? L'intelligence est à lui. La connaissance est à lui. La sagesse est à lui. La lumière lui appartient. Alléluia. Oui, tu peux déclarer ce chant parce qu'il est au-dessus de toute intelligence et de toute sagesse. Il est au-dessus de toute solution. Alléluia. Au-dessus de tout, tu règnes. Tu es éternel. Jésus est ton nom. Alpha Omega. Au-dessus de tout, tu règnes. Seigneur, l'intelligence est à toi et tu es au-dessus de tout. Et nous voulons te le dire, que nul n'est comme toi, Seigneur, que nul n'est semblable à toi. Tu es celui qui possède la sagesse et l'intelligence. Tu es intelligent. Tu es intelligent.
et ton intelligence n'a pas de limite, n'a pas de limite. Alors pendant que nous nous apprêtons à aborder ce deuxième groupe, le sujet de prière qui parle de ton intelligence, Seigneur, nous t'élevons au-dessus. Nous élevons ta gloire, nous élevons ta grandeur. Alléluia. Tout, tu règnes, Jésus est ton nom, au-dessus de tout, tu règnes, éternel, Jésus est ton nom, au-dessus de tout. Ton intelligence n'a pas de limite parce que tu es éternel. Alpha, Omega, au-dessus de tout, tu es éternel. Jésus est ton nom. Alpha, Omega, au-dessus de tout. Merci Seigneur, au-dessus de tout, tu es. Et tu règnes éternellement. Jésus est ton nom. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever avec moi et on va prier le Seigneur. Tu vas demander que notre Seigneur Jésus accorde la sagesse et l'intelligence aux chefs d'État, aux chercheurs, pour agir efficacement dans cette situation. Les chefs d'État ont besoin de la sagesse de Dieu. Ils ont besoin de l'intervention de Dieu. Ils ont besoin du soutien de Dieu. Et l'intelligence et la sagesse dans ces situations-là sont les solutions dont les chefs d'État ont besoin, sont les clés, les principes dont les chefs d'État et les chercheurs ont besoin. Alors nous allons élever la voix et nous allons invoquer la sagesse. Nous allons invoquer l'intelligence dans le nom puissant de Jésus. Prie ensemble le Seigneur. Prie ensemble le Seigneur. Prie ensemble au nom de Jésus. Toi qui es l'auteur de l'intelligence. Toi qui es l'auteur de la sagesse. Seigneur, nous prions pour les chefs d'État. Nous prions pour les autorités. Nous prions pour les dirigeants des nations. Nous invoquons ta sagesse. Nous invoquons ton intelligence dans le nom de Jésus. Praide gloria da brada sota da baba. Seigneur, inspire-les, communique-les la sagesse et l'intelligence pour prendre de bonnes résolutions, pour prendre de bonnes décisions, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Praide gloria da brada sota. Reka baba baba gloria da brada sota da baba baba shara baba baba gloria. Ouvre les écluses des cieux et relâche la sagesse, relâche l'intelligence dans le nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux, relâche, Seigneur, relâche ta grâce d'intelligence, relâche ta grâce de sagesse, par ta miséricorde, dans le nom de Jésus, par ta miséricorde, braille et gloria, par ta miséricorde. Par ta miséricorde, par ta miséricorde, braille et gloria da brada sota libri, rakabaya, mayoka sakala baba, gloria da brada sota, rekaba baba, que les nations soient remplies de la sagesse et de l'intelligence, que les chefs d'État, les dirigeants, les autorités soient remplis de la sagesse, soient remplis de l'intelligence qui vient de toi, pas de l'intelligence qui vient d'ailleurs. Mais de l'intelligence qui vient de toi, car l'intelligence qui vient de toi est celle-là qui produit des résultats palpables, des résultats durables. Père, nous invoquons ta sagesse, nous invoquons ton intelligence dans le nom puissant de Jésus. Nous l'invoquons, Seigneur Dieu, pour les chefs d'État, pour les autorités dans le nom de Jésus. Braille et gloria, la brada sota, libra d'ako, rica baya, la brada sota, la brada ko, rabaya, mahu rabaye, télébrine, soka liba, chaka rabada. Toi qui règnes par l'intelligence, toi qui règnes par la sagesse, règne Seigneur sur les nations, par la sagesse qui vient de toi, règne par l'intelligence qui vient de toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, même si c'est un chef d'État, par la révélation, ne sont pas tous ceux qui ont besoin de toi, mais nous t'appelons, Seigneur, nous Église, nous élus, nous nous retrouvons dans ta présence pour invoquer la sagesse, pour invoquer l'intelligence qui vient de toi, dans le nom de Jésus, 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 tu règnes notre Dieu, tu règnes notre Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et maintenant tu vas prier, tu vas invoquer la sagesse et l'intelligence maintenant, cette fois-ci pour l'Église, pour une meilleure gestion pendant cette période de confinement,
L'Église a besoin de l'intelligence de Dieu. L'Église a besoin de la sagesse de Dieu. Nos dirigeants ecclésiastiques ont besoin de la sagesse et de l'intelligence de Dieu pour mieux gérer cette période-là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sentons que nous avons besoin de la sagesse, de l'intervention de Dieu? Élevons ensemble la voix. Prions notre Dieu. Prie maintenant Dieu pour l'Église. Prie maintenant Dieu pour l'Église. Prie pour l'Église en général. Prie, élève la voix. Koraba shaka baba. Élève la voix. Reda brada sota la brada ko. Rekata brada sata la brada. Lokari brada sota la. Lagida la bahata. Rakaya brada. Lo baba 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 baba. Sota di brede de boka ya. Mai de gloria da brada sota di brede de dia. Brai de gloria da brada suka baba baba bubu suka baba baba. Brai de gloria brada sota baba baba. Invoque la sagesse, invoque l'intelligence. Tu as besoin de l'intelligence de Dieu dans cette période de confinement. L'intelligence divine, l'intelligence spirituelle. Pour avoir une vie qui est agréable à Dieu. Pour avoir une vie qui glorifie le Seigneur dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Car le confinement n'est pas la fin de l'œuvre de Dieu. N'est pas la fin du plan de Dieu. N'est pas la fin de la responsabilité de l'Église. Que ce confinement ne soit pas la fin. Que ce confinement ne vienne pas influencer négativement l'Église. Mais prie, prie au nom de Jésus. Invoque la sagesse, invoque l'intelligence. Dans cette période de confinement, que Dieu donne la sagesse, que Dieu donne l'intelligence à tous les chrétiens, aux hommes de Dieu. Dans le nom de Jésus. Braille Robada Labo, Sakarababa, Rekata Brada Santa Labrada, Chata Labrada Glo. Braille de Gloria de la Brada Sokabababa. Braille de Gloria de la Brada Sota Libre de Koba Baba. Rita brada gloria da brada soka baba 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 shuru baba baba sota la bra rita brada soka baba baba rukata la ba la sagesse et l'intelligence pour comprendre et pour saisir que c'est une opportunité pour faire plein d'exaucement avec toi, une opportunité pour maximiser notre temps de communion, notre temps de prière, notre temps de jeûne avec toi. Dans le nom de Jésus, que chaque église, que chaque chrétien, que chaque homme de Dieu saisisse, Seigneur Dieu, ces différentes solutions et ces différentes choses. Père, que tu répands dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, pendant que les gens sont dans leur maison, que ce soit la saison et le temps, Seigneur, pour chercher ta face, pour maximiser les temps d'adoration, les temps de prière, les temps de méditation de ta parole, les temps de formation, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ce ne soit pas l'occasion, Seigneur Dieu, où la distraction abonde, où le péché abonde, où des choses bizarres abondent dans les maisons, abondent dans les nations. Mais que ce soit l'occasion pour nous de développer notre communion avec toi, de développer, de relâcher la puissance de Dieu dans l'atmosphère, dans les différents endroits où nous nous retrouvons, dans le nom de Jésus. L'occasion, Seigneur, pour gagner des âmes, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Gloria Branalosi. Le cadavre branolo sana la babosia, maire recata bradare da branaro da la babosi, ma poca carapete che che robo do scena la bababa, rai de gloria da brada sulta la bababa, che che te de sulta la bradaco, rai de gloria. Alors c'est un sujet qui est important, insiste, dans le nom de Jésus, rai de gloria da brada suka baba. Et pendant que toi-même tu es en train de prier, demande au Seigneur de te remplir d'une intelligence spirituelle, d'une intelligence surnaturelle, d'une sagesse surnaturelle qui va te permettre de demeurer pleinement dans la présence de ton Dieu, dans la présence de ton Dieu. Que toute forme de distraction, que toute forme de désir, que toute forme de sentiment qui ne viennent point de Dieu soit expulsée au nom de Jésus. Que ces désirs, ces sentiments, que cette distraction quitte ta vie, quitte ta maison, quitte le pays, quitte les nations, quitte l'Église. Nous prions pour l'Église dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. L'intelligence pour passer du temps dans la présence de Dieu et non pas passer du temps sur les réseaux sociaux et non pas passer du temps sur derrière les écrans de regarder des films. Il faut que ta communion avec Dieu abonde et surabonde. Il faut que tu maximises. Alors invoque la sagesse, invoque l'intelligence, invoque la force de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Braille des globo bobosa, regarde la brada cora babaye, masota la brada gloria da la cora, reda la brada sota la brada. Je déclare que c'est une période qui est bénie dans le nom de Jésus. Cette période de confinement est une période qui est bénie pour nous qui sommes chrétiens. C'est une période pour maximiser, une période pour maximiser, une période pour développer dans ta présence, une période pour écouter.
les messages dans le nom puissant de Jésus pour recevoir l'onction, pour recevoir la formation dans le nom de Jésus. Car dans cette période, tu nous communiques les équipements dans le nom de Jésus. Braille de Rodos, Makale, Makale, Veda la Maya, Roba Baba 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 Pas un esprit d'assoupissement, pas un esprit de distraction. La grâce de Dieu te libère, parce que l'intelligence vient. C'est une intelligence fonctionnée, c'est une sagesse fonctionnée qui apporte la solution dans le nom de Jésus. Et pour que nous prions, nous sommes libérés, nous sommes délivrés dans nos maisons, libres, délivrés de tout esprit, de tout esprit de distraction, de tout esprit d'assoupissement, de tout esprit de distraction, d'assoupissement dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus. Et l'intelligence de Dieu nous libère, l'intelligence qui brise les chaînes, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Korabayeke, Marabayoka, Okobo Sotalibe, Ragadala Tekeke, Makorababo, Shanarababe, Yekatabana, Robababo, Sotalababa. Prie pour ta vie spirituelle, Robadalababa. Prie pour ta communion avec le Seigneur, Rokabababa, Robaba. Prie pour la relation avec l'Église et Jésus. Prie. Rakata bro sona la meya. Makoro baba baba gloria da 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 sota la baba. Ro baba baba baba. Donne-nous de percevoir, de recevoir ces choses-là qui nous comme des temps de retraite. Des temps de retraite. Des temps de retraite. Pour recevoir la puissance. Pour recevoir la force. Pour recevoir l'onction. Pour recevoir les équipements. Pour recevoir, recevoir, recevoir au nom de Jésus. C'est une saison de réception divine. De réception divine. Nous recevons parce que tu relâches ta grâce. Tu relâches ta force. Tu relâches ta puissance. Dans le nom de Jésus, tu joues dans cette même atmosphère. Si quelqu'un avait été touché par un péché à cause du confinement, peu importe Seigneur, mais dans le nom puissant de Jésus, ta miséricorde est relâchée et les vies sont relevées, les vies sont restaurées, les vies sont guéries spirituellement. Dans le nom de Jésus, que la sagesse et l'intelligence sont relâchées à nos responsables ecclésiastiques, à nos dirigeants ecclésiastiques. Dans le nom puissant de Jésus, ta voix est libérée. Dans le nom de Jésus. Je m'attends à toi. Merci pour la sagesse, merci pour l'intelligence, merci pour la force, merci pour l'inspiration, merci pour la concentration. Nos regards sont fixés sur toi. Nous ne sommes pas distraits, mais nos regards sont fixés sur toi, Seigneur. Rien ne vient nous distraire. Aucune mauvaise nouvelle, aucune situation n'arrive à nous distraire. Parce qu'en toi, nous sommes cachés et nous avons la victoire. Et en toi, il y a la sagesse en abondance. Il y a l'intelligence en abondance. Merci parce que ces choses sont notre partage. Ces choses-là se répandent sur l'Église, dans toutes les nations, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer l'intelligence et la sagesse de Dieu? Alléluia. Acclame fortement, acclame fortement. Acclame. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Et le verset 6 dit, celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Alors nous allons prier. Les eaux sont les symboles de la parole de Dieu. Il y a un verset qui dit, Dieu donne ses ordres et sa parole court avec vitesse. Alléluia. Et cette parole qui court, rien ne peut l'empêcher, rien ne peut l'arrêter, rien ne peut la bloquer, parce qu'elle vient avec vitesse depuis le ciel pour conquérir le cœur des nations, pour conquérir le cœur des hommes à Jésus, pour amener les vies des hommes à Jésus.
Alléluia. Alors nous allons prophétiser, déclarer, proclamer que la parole de Dieu remplisse la terre, que la parole de Dieu remplisse les nations, la parole du salut, la parole de la délivrance, la parole de Jésus remplisse les nations. Est-ce que nous pouvons le proclamer dans le nom de Jésus? Braide gloria bada satala baba. Dans cette saison, Seigneur, nous voulons prophétiser, nous voulons annoncer, nous voulons déclarer dans le nom de Jésus que ta parole remplisse les nations. Que l'évangile remplisse les nations. Ah, que l'évangile, la parole de vie, la parole de salut, c'est de ta parole que les nations ont besoin. C'est de ta parole que la terre a besoin. C'est de ta parole. Ce n'est pas, Seigneur, de les nouvelles seulement que nous entendons sur les médias que nous avons besoin effectivement, mais c'est ta parole. Parce que ta parole, elle apporte la vie. Ta parole, elle apporte la lumière. Ta parole, elle apporte le salut. Ta parole, elle apporte la délivrance. Ta parole, elle est capable de briser les chaînes, de briser les liens. Ta parole est capable de nous délivrer de l'esclavage du péché. Elle est capable de nous faire sortir de la malédiction, de nous faire sortir des situations difficiles. Elle est capable de délivrer nos âmes de tous les sentiments mauvais qui abondent et qui fatiguent les humains. Ta parole est toute suffisante. Alors Père, dans le nom puissant de Jésus, pendant que nous sommes dans ta présence, que ta parole remplisse la terre, qu'elle vienne avec puissance, qu'elle vienne avec puissance, qu'elle vienne avec pouvoir, qu'elle vienne avec force, qu'elle vienne avec révélation, que cette parole vienne révéler Jésus, que cette parole vienne présenter Jésus, que cette parole vienne faire connaître le sacrifice de Jésus, le prix de Jésus à la croix, que cette parole révèle dans le nom de Jésus, afin que les nations soient libérées, afin que les peuples soient affranchis. Lève ta parole, reprends ta parole au nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux et reprends ta parole. Roma yakato robo sonoro baba. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le même esprit, tu vas prophétiser la crainte. Que la crainte de Dieu remplisse les cœurs, que la crainte de Dieu remplisse les nations, que la crainte de Dieu remplisse les chrétiens, remplisse les hommes. Au nom de Jésus, aujourd'hui, les gens ne craignent pas Dieu. On voit sur les réseaux sociaux comment les gens s'abusent avec le nom de notre Dieu. Comment les gens bafouent sur ce qui est sacré. Nous allons prier que la crainte de Dieu soit relâchée dans le nom de Jésus. Braille gloria d'abaco, d'abayanderegui. Yegedere badagari barasotoro badagloria d'abadako. Roba baba, ouvre les écluses. Rakaya bradaso, rekababa. Que la crainte qui vient de ton nom remplisse l'atmosphère, remplisse les nations. Au nom de Jésus, que les hommes craignent ton nom. Que les hommes te craignent, Seigneur. Car tu es le Dieu bon, le Dieu miséricordieux. Mais tu es aussi le Dieu redoutable, capable de punir les actions, capable de punir les actions des hommes. C'est pourquoi, Père, la solution pour que les hommes craignent ton nom, pour limiter les dégâts, pour limiter les dégâts, pour limiter le pouvoir et la puissance du jugement. Seigneur, que les hommes craignent ton nom. Donne-moi de craindre ton nom. Que mon frère qui me suit, que ma soeur qui me suit, craigne ton nom. Craigne ton nom, car ton nom est grand, ton nom est puissant, mais ton nom est redoutable. Ton nom est redoutable. Et c'est ta volonté que nous craignions ton nom, que les nations craignent ton nom. Nous voulons craindre ton nom, Jésus. Craindre ton nom, Jésus. Craindre ton nom, Jésus. Que la grâce de la crainte soit répandue dans les cœurs. Que la grâce de la crainte soit répandue dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous pensons, Seigneur, aux chrétiens qui sont encore dans des légèretés, dans des légèretés, dans des choses. Seigneur, que la crainte soit répandue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Et nous allons prier pour le dernier sujet. Nous allons prier pour que Dieu suscite des missionnaires, des évangélistes, des hommes et femmes de Dieu qui vont parcourir la terre pour annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Prions ensemble le Seigneur. Élève la voix. Parle à Dieu. Rakayebre. Ladana bradaso. Rinda la bradako rabayaka. Maso kalaba. Et toi-même, tu es un homme potentiel. Tu es une femme potentielle. Dieu a besoin de toi. L'onction de Dieu est sur toi. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu suscites. Rakata brazo la la yeketebre. Rinda bradaso talabababa. Gloria danabababababo. Sharababa. Tu pries pour que Dieu suscite. Mais toi aussi même tu es suscité au nom de Jésus. Tu es suscité au nom de Jésus. Pendant que tu pries pour que Dieu suscite les hommes,
Dieu lui-même aussi te suscite dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu suscites des missionnaires, tu suscites des évangélistes, tu suscites, Seigneur Dieu, des hommes qui vont parcourir la terre et qui vont annoncer ta parole dans toutes les nations. Appelle, Seigneur Dieu, les élus. Envoie les ouvriers dans ta moisson. Envoie les ouvriers. Suscite les ouvriers dans le nom de Jésus. Étends ta main. Appelle, appelle, appelle. Suscite dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour tes bienfaits, merci pour tout ce que tu accomplis. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la louange, parce que tu suscites des évangélistes, tu suscites des hommes et des femmes pour annoncer ta parole. Et même dans cette période, Seigneur, l'onction est sur nous et les hommes sont suscités, les âmes sont gagnées. Au nom de Jésus, Alléluia, Alléluia, Amen, 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 Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Non, acclame bien Jésus, acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Alléluia. Est-ce que tu as bien adoré, est-ce que tu as bien prié comme moi? Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu remplisse ta maison, l'endroit où tu es au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit de ne pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. Alors, toujours dans cette atmosphère, nous voulons apporter au Seigneur. Et vous regardez donc sur vos écrans, toutes les informations voilà, sont indiquées. Maintenant, si tu ne peux pas faire ton offrande, hein, au travers de ces informations qui sont indiquées, tu peux mettre ton argent dans l'enveloppe. Et en tout cas, pour ceux qui sont à Abidjan, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, lorsque nous allons prier, après la prière, donc l'argent ne t'appartient plus, tu gardes en semaine. Tu pourras passer au siège ou à l'église pour déposer ton offrande. Seigneur, merci pour ces offrandes que nous t'apportons. Merci parce que tu les bénis. Merci parce que tu bénis les mains qui apportent. Merci parce que tu fais accélérer, Seigneur Dieu, la grâce de la miséricorde dans nos vies, sur les nations. Merci Seigneur pour ce temps de prière. Merci Seigneur, à toi la louange, la gloire au nom de Jésus. Amen. Apportons au Seigneur, apportons nos offrandes. Sont bénis au nom de Jésus et nous disons Amen. Que le Seigneur te bénisse encore. Alléluia, Alléluia. Alors nous voulons juste rappeler que demain nous sommes encore là dans le jeûne et la prière. Donc demain mercredi nous nous retrouvons encore sur nos écrans à partir de 18h30 pour le rendez-vous des champions, en même temps dans l'esprit du jeûne. Nous voulons nous encourager, nous voulons vous encourager à demeurer dans cette présence-là, à retirer tous ces sujets de prière, à demeurer dans la présence du Seigneur, et nous croyons que Dieu fait des choses extraordinaires. Alléluia. Alors on va prier pour la fin. On va prier pour la fin. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons bénir ton nom,
Nous voulons te dire merci pour ce deuxième jour de jeûne, pour cette deuxième soirée de prière. Seigneur, nous avons la foi et la certitude que nos prières sont montées vers toi. Et nous voulons te rendre grâce parce que nous voyons les résultats de toutes ces déclarations à cause de ta bonté et à cause de ta miséricorde. Seigneur, nous prions afin que ta grâce nous accompagne, que la journée de demain soit encore une journée puissante. Une journée où tu nous donnes encore de passer plus du temps dans ta présence et de nous retrouver à partir de 18h30. Nous te rendons toute la gloire et la louange maintenant et à jamais au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À demain.